d'avoir un diplôme qui va bien au-delà de ce qui est papier ou un carton, mais qui représente un engagement, une qualification, un savoir-faire. Parce que vous avez réussi une forme de chef-d'œuvre. Autrefois, on parlait de cela pour les compagnons. C'est exactement ce que vous avez fait. Et on doit transmettre ces savoir-faire. Alors les savoir-faire, ils changent aussi. Tout à l'heure, on remettait, je crois, une médaille exceptionnelle, une médaille de la nation pour le web design. Ça change, donc. On a de nouvelles technologies. Il faut savoir s'adapter. Et c'est votre rôle que de pouvoir anticiper et de pouvoir allier le meilleur de la qualité professionnelle, du travail humain, avec les machines d'aujourd'hui ou de demain. Voilà pourquoi c'est très important qu'on ait cette mobilisation. Et si on n'a pas gagné les Olympiades, vous avez gagné des médailles, ce qui est déjà important. Alors le défi que je vous lance, pour vous ou pour d'autres qui viendront en 2019, c'est ça, en Russie, gagner toutes les médailles, c'est la meilleure revanche que l'on peut prendre pour ne pas les avoir reçues ces Olympiades à Paris. Bonne chance, bon courage et toutes mes félicitations et aussi vive le travail, parce que c'est le travail qui est aujourd'hui honoré. Merci.